commencé mes études après mon bac ES par un DUT technique de commercialisation à l'IUT de Roubaix. Et ensuite, j'ai intégré l'IAE de Lille, d'abord pour faire une licence 3 marketing-vente, que j'ai poursuivie par un master 1. Et ensuite, j'ai fait un master 2 marketing et commerce, toujours à l'IAE de Lille, en alternance. Donc j'ai intégré Noroto en Master 1 pour un stage d'une durée de 6 mois qui consistait à la gestion d'un projet. Et j'ai eu la chance ensuite de poursuivre la gestion de ce projet en Master 2 pour une alternance qui a duré un an. Donc la mission principale, c'était la mise en place d'une norme de qualité de service client. Donc ça consistait notamment à la rédaction d'un référentiel qualité qu'il a fallu ensuite tester sur le terrain, la formation des collaborateurs, les relations avec les organismes certificateurs et ensuite de faire auditer les centres pour que le premier centre soit certifié et obtienne cette norme de qualité de service. Même si j'ai été étudiante, moi j'aime beaucoup travailler en autonomie et gérer tout ce que j'ai à gérer de A à Z en réfléchissant à la mission. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la confiance qu'on m'a accordée. Je me sentais vraiment accompagnée dans le travail que j'avais à mener tout de même. Donc pour moi, le principal avantage de l'alternance, c'est qu'on a déjà un pied dans l'entreprise, une première expérience, et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable aux yeux des recruteurs par la suite quand on est sur le marché du travail, puisqu'on est de plus en plus nombreux à postuler. Et moi, si je prends mon cas personnel, suite à mon alternance, j'ai été embauchée en CDD puis en CDI, et je ne suis pas sûre que si je n'avais pas fait mes preuves chez Noroto avant, on m'aurait proposé à moi ce poste-là. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants d'aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter à saisir l'opportunité de l'alternance, puisque ça permet vraiment d'avoir une expérience opérationnelle en plus que juste la partie théorique, et c'est vraiment non négligeable.